Qu'est-ce que... J'ai recueilli ces vies pour repaître ma lame. Monstre. Mythos, pourquoi est-ce que tu t'obstines à être humain? C'est futile. Les hommes n'ont jamais su évoluer. Ils ont toujours été faibles, envieux des puissants et méprisants des fragiles contre lesquels ils se retournent. Ils cherchent la compagnie de leurs semblables, honnissent ceux qui sont différents et se rassemblent en cliques pour exclure les intrus. Et tout cela uniquement pour assouvir leur désir de supériorité et leur besoin de confort. Les discriminations, les persécutions, les conflits et les clivages, tout autant d'inventions nées des bassesses de l'âme humaine, de leur méprisable nature. Or, tous ces vices sont uniquement le fait de votre libre arbitre. Toi-même, tu as dû en porter le poids depuis ta naissance et en souffrir. Tu te trompes. Ce sont ces émotions qui m'ont construit. Chacun de mes choix, de mes sentiments, m'a donné la force de me battre. Alors je tiendrai. Car je veux vivre en homme libre. N'es-tu pas un homme? C'est vrai, en réalité, j'étais comme toi il y a longtemps de cela. Quoi? Jadis, Dieu fit don de la magie à l'humanité. Les hommes s'en servirent pour bâtir et développer leur civilisation. Mais à terme, cette civilisation les rendit avides de pouvoir, et la Terre finit par être souillée par cette noirceur de façon irrémédiable. Les hommes se laissèrent submerger par leur conscience cupide et s'engagèrent sur la voie de la destruction. Pourtant, une partie du peuple continua de prier et d'honorer Dieu comme ils l'avaient toujours fait. Ils l'implorèrent de bien vouloir leur accorder le salut et de les ramener vers le droit chemin. Alors, Dieu leur répondit. Il leur dit qu'il les guiderait vers un nouveau monde juste et authentique. C'est pourquoi j'ai fait don de mon corps à mon Seigneur. J'ai choisi de renoncer à mon existence en tant qu'humain pour embrasser son idéal. Parmi les révélations qu'il me fit, le Seigneur annonça que si l'humanité voulait accéder au Nouveau Monde, elle devrait renoncer à son libre arbitre. Aussi, nous devons donc accepter de renoncer à notre conscience si nous voulons le salut. Nous devons devenir des êtres libérés, purs et divins, pour ne plus jamais reproduire nos erreurs passées et retomber dans nos vicissitudes. Je veux sauver les hommes. Et toi, Mythos, le réceptacle divin, tu es l'offrande ultime pour notre maître. Tu es la clé de tout. Ce sacrifice lui prouvera l'ardeur et la profondeur de ma foi. Alors tu as renoncé à tes désirs, à tes sentiments, pour ça. Pour toi, c'est ça, vivre. Tout ça n'a rien du salut dont les gens ont besoin. C'est même l'inverse. Faire des choix, c'est le sens de nos vies. Et nous en priver est un terrible crime. «
Très bien. Je t'écoute. Montre-moi ce que c'est, la vie. Je sais déjà que tu as renoncé à la tienne. Raison de plus pour en finir. À l'issue de ce combat, tu comprendras enfin la vérité. Tu sauras qui de toi, de moi, a raison. C'est ça, Mythos! Ouvre-moi!
Quelle est cette puissance? C'est bien simple. La volonté humaine est une force motrice sans limite. Mais tu ne pourras jamais l'admettre, Barnabas. Nous ne sommes pas aussi faibles que ton dieu veut le penser. Qu'est-ce que t'attends ? Les hommes ne savent rien de la Force. Daisan Tetsu ! Tu maîtrises tes pouvoirs en conservant ton humanité. Je suis impressionné. Je ne m'attendais pas à ça de ta part. C'en est fini de toi. Cet entêtement me fascine, Mythos. Tes actions désespérées ont ravivé ma flamme, me procurant une joie que j'avais oubliée depuis des années. Alors c'est cela, la vie. Cette ivresse qui me parcourt, cette allégresse qui me fait frissonner. Le seul plaisir délétère accordé aux faibles humains. Je vais m'en remettre jusqu'à la fin. Montre-moi ta valeur, Mythos, que je puisse m'en délecter. Ah! 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 Ah!
que je voulais voir en toi. Remarquable. Le jour tant attendu va bientôt arriver. Mon vœu divin va être exaucé. Ce monde tout entier va sombrer dans un silence sans fin, dans une douce indolence. Et tu crois que je vais te laisser faire? C'est hors de question. Voyons, Kitos. Ton existence même est la preuve des desseins formidables de mon maître. Non. Je refuse d'être le jouet d'un dieu. Connaissons la vérité. C'est moi qui sors victorieux de tout cela. Ma volonté l'a emporté. Ta volonté? Non. C'est la sienne. Clive Rosefield.
Conservant ta volonté, peut-être représentes-tu l'avenir de l'humanité. Tu parlais de faire des sacrifices. Mais toi-même, si tu étais capable d'envisager un nouveau monde, tu n'avais pas renoncé à ton libre arbitre. Je... Tu parles d'un monde pur. Tout ce qu'on t'a fait miroiter, c'est une illusion. Le seul monde qui existe, c'est celui dans lequel nous vivons. Je le jure. S'il le faut, je tuerai un dieu. Je tuerai Ultima pour le rendre aux hommes. Déjà à la merci de mon maître. Tu n'en as pas eu assez. Tu as oublié mon but. J'avais juré de te faire devenir un hôte parfait, oh mon Dieu. Tu vas accepter ton destin, Clive Rosefield. Tu ne feras bientôt qu'un avec le maître. Tu es son réceptacle. Car tel est l'ordre de ce monde qui a accueilli les cristaux-mères depuis le début de l'histoire. Non. Retourne à vous. Mère. Alors, que penses-tu des pouvoirs d'Odin ? Où est-ce que tu es ? Montre-toi ! Plus tu absorbes d'émissaires, plus tu deviens puissant et résistant. Tu dois le sentir. Tu connais la joie sublime de te rapprocher du divin. Que tu aies une volonté ou non, la raison suprême veut que tu deviennes notre hôte. La preuve, ton corps tremble déjà de joie à cette idée. Alors,
Je vais m'en servir pour te tuer. Bien. Enfant du destin, nous t'attendrons sur l'échine du dragon premier. La conclusion de tout t'attend là-bas.